Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est la pleine forme, il commence à faire beau chez nous ici à Marseille, vous voyez j'ai sorti les t-shirts, ça y est c'est la folie, bientôt le mois de mars, on n'en peut plus, ou c'est déjà le mois de mars, enfin je n'en sais rien, je suis perturbé par cette chaleur, voilà, en attendant, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, puisque aujourd'hui, eh bien, on parle d'un numéro spécial, eh bien on va le déballer ensemble, c'est parti. Et donc, dans ce numéro spécial, le premier de la collection, vous allez avoir 4 plaques comme celle-ci. Et ensuite, une plaque comme celle-ci. Donc, voici la première et donc les 4 autres. Voilà. Au prix, l'ensemble de 32,99€ si vous le prenez en marchand de journaux. Une réduction de 2€, il me semble, si vous êtes abonné. Sachez que je ne présenterai, je ne pense pas, tous les numéros spéciaux de la collection. Je ne sais pas combien il va y en avoir, car je prendrai les numéros spéciaux qui seront à inclure dans le véhicule. C'est-à-dire que si c'est pour mettre autour, pour faire un diorama, ou pour, par exemple, attrape poussière, c'est-à-dire personnages, décors et compagnie, je ne les prendrai pas. Là, j'ai pris les protons. Pourquoi ? Parce que ça va habiller la civière du véhicule. Je ne voulais pas avoir une civière vide, donc je les ai pris. Voilà pourquoi je prends le numéro spécial. Si c'est pour de la décoration sur une étagère, cela ne m'intéressera pas. Donc, on va monter ensemble ce premier numéro spécial. C'est parti. Première étape, on va installer ces deux pièces ensemble. Il y a un ergo, un détrompeur, pardon. Une vis en dessous HP. Ensuite, deuxième étape, on va assembler le bras ionique. Donc, les deux pièces que vous voyez ici, ensemble, avec deux vis EP. Voilà, je trouve que ça habillera très très bien la civière, donc je me suis lancé là-dedans. Et j'espère en être content. Donc ensuite, on installe ces deux pièces entre elles, avec deux vis EP. Ensuite, on va installer étape 3, la pompe à vide et son tuyau. Voilà, cette pompe. Elle vient se mettre dans l'ergot qu'il y a ici. Et ça, ça vient se mettre. Et bien sûr, en dessous, une vis HP. Ensuite, étape 4, on va assembler le positionneur avec ces deux pièces. On y met le petit picot dedans, voilà, comme ça, et ensuite on y met un petit câble. Étape 5, on va installer les tuyaux, on va commencer par placer le long tuyau rouge qui nous est fourni, donc le S1K, il va ici, celui-ci, donc forcément, moi si je prends pas ma pince, je vais pas m'en sortir. Voilà le rendu des câbles. Alors peut-être ceux-là ils sont un peu trop longs, me direz-vous, mais je trouve qu'ils sont sympas justement. Enfin après vous pouvez modifier ce que vous avez envie. Hein. Vous pouvez les salir, les vieillir. Je les trouve sympas. Ensuite on installe étape 6, on a terminé le pack de protons. Étonnamment, il n'y a rien pour fixer ça sur le côté. Déception totale. Enfin, on fixe ça avec 4 vis.
On va fixer cette pièce maintenant avec deux vis HP. Alors ça par contre, waouh, dommage que ça se balade. Il va falloir trouver une solution parce que ça qui se balade sur la civière, bonjour quoi. Bonjour, bonjour. Ou alors les coller quoi. Voilà. Ça alors, pour le coup, alors je ne sais pas comment ça devrait se mettre. Pour le coup, il manque quelque chose, quoi. Ensuite, étape 7, on va assembler maintenant le corps du piège à fantôme en y mettant l'autocollant proprement. Là. On va y mettre notre petite barre. Et notre petite pièce ici sur le côté. Voilà. Ensuite, étape 8, on va ajouter la base. Étape 9, on va construire la petite pédale. Avec une vis, une petite vis. BP, on y met notre petite pédale, ensuite on prend cette petite pièce, on va retourner le tout, on prend une vis IP, on retourne l'ensemble, on prend ce qu'on a monté précédemment, on essaye d'y mettre notre, ça va pas être facile. Ben voilà. Le résultat, la pédale, le corps du piège à fantôme, enfin le piège à fantôme, et le ponton qui est ici. Voilà les amis, le montage est terminé, j'en ai encore trois autres à faire, je ne vais pas le faire en vidéo, ça ne sert à rien, vous avez vu comment je l'ai fait pour le premier Proton. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas l'abonnement, le partage et le petit pouce bleu. Encore une fois, à bientôt, bonne journée et portez-vous bien.